Le prince Harry a terminé d'écrire ses mémoires et ses ouvrages explosifs devraient être publiés dans les prochaines semaines et le livre contiendra des révélations. La famille royale britannique se prépare à la sortie d'un nouvel ouvrage explosif. Cette fois-ci, point de biographie non autorisée, mais des mémoires qui s'annoncent écrites au vitriol. D'ici quelques mois en effet, le prince Harry va publier une autobiographie qui inquiète la couronne britannique. Et la publication ne devrait pas tarder puisque l'époux de Meghan Markle aurait terminé sa rédaction. Son manuscrit final aurait également été balisé et signé par ses avocats. Le manuscrit est terminé et a traversé toutes les procédures légales. CST, parti hors des mains de Harry, a fait savoir une source. La date de publication a été repoussée une fois mais elle est en bonne voie pour la fin de l'année. L'éditeur du prince Harry espère en effet sortir ses mémoires avant Thanksgiving pour que les Américains puissent se l'offrir. Le prince Harry a signé un contrat avec son éditeur il y a quelques mois. Dans ses mémoires, le duc de Sussex devrait longuement se confier sur sa mère, Lady Di, mais aussi le divorce de ses parents et plus récemment, son départ de l'institution pour les États-Unis. J'écris ceci non pas comme le prince que je suis né, mais comme l'homme que je suis devenu. J'ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au sens propre comme au sens figuré, et j'espère qu'en racontant mon histoire, les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises, je peux contribuer à montrer que, peu importe d'où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons, écrivait le prince Harry dans un communiqué de presse dévoilé par son éditeur. Le prince Harry, il y a du contenu qui devrait rendre sa famille nerveuse pour son contrat avec la maison d'éditeur Penguin Random Arts. Le prince Harry a d'ores et déjà touché plusieurs millions de dollars. Je suis profondément reconnaissant de l'occasion qui m'est donnée de partager ce que j'ai appris au cours de ma vie jusqu'à présent et j'ai hâte que les gens lisent un récit de première main sur ma vie, qui est précis et totalement véridique, ajoutait-il. Et selon les sources, ce livre promet plusieurs révélations croustillantes. Ce sera juteux, a assuré un éditeur américain à page 6. Il y a beaucoup de nouvelles histoires là-dedans sur le passé dont Harry n'a pas parlé auparavant, sur son enfance. Il y a du contenu qui devrait rendre sa famille nerveuse. Pour rédiger ses mémoires, le prince Harry a collaboré avec Junior Moiringer, qui a déjà écrit les biographies d'Andre Agassi ou du cofondateur de Nike Phil Knight.